Bonjour les amis de TikTok, bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot officielle. Abonnez-vous, likez, partagez. Plus on est nombreux sur TikTok et mieux ça sera pour partager et faire évoluer cette chaîne. Bienvenue aussi les personnes qui vont regarder sur YouTube. Et c'est parti. Aujourd'hui, je vais faire une voyance très importante. Vous étiez nombreux et nombreuses à me demander, s'il te plaît Agnès, est-ce que tu peux voir par rapport à Pic-Pic, va-t-elle être obligatoire? Allez, c'est parti ensemble. Il fait très chaud, il fait très lourd. Let's go. Allez, on va voir si le fameux Pic-Pic va venir obligatoire. Voyons voir. Alors, c'est parti. On va se concentrer. On va voir si le Pic-Pic, le fameux Pic-Pic, va être obligatoire pour la France. Alors, c'est parti. Pic-pic, la soupe toxique. Vous imaginez bien de quoi je veux parler. Beaucoup de personnes, vous m'avez contacté en privé en me disant, waouh Agnès, voilà, je suis stressée. On voit des annonces actuellement comme quoi ils veulent nous le mettre à l'envers. Voyons voir ensemble qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce pic-pic. Va-t-il venir obligatoire? Voyons voir. Est-ce que le pic-pic international va-t-il venir obligatoire? Voyons voir ensemble avec les cartes. J'adore. J'adore, on est super bien connectés. Vous avez vu, j'ai absolument rien dit. Voilà, moi je ressens complètement autre chose. Ils ne pourront jamais le mettre obligatoire, les amis. Sachez-le, ça c'est quand même très important. Vous avez toujours un choix judicieux à faire. Ils seront toujours dans l'obligation de vous demander votre consentement. Ils ne peuvent pas la mettre obligatoire. Et à l'envers, bien évidemment. Vous avez un choix. Bien sûr, ils vont essayer de mettre tout en place. Mais c'est à vous de voir quelle pilule, qu'est-ce que vous allez choisir de le faire ou de pas le faire. Ici, on n'est pas dans le jugement. Ici, on veut juste savoir comment ça va se passer, les événements à venir. Ils vont avoir une crise ici. Hein. Ils vont avoir une faillite par rapport à la pic-pic-net. Ils ne vont plus faire du pique-nique, hein, moi je vous le dis. Non, ils vont avoir des conséquences dramatiques. Ils vont avoir une chute au niveau de la bourse de pic-pic. Ce fameux pic-pic international, parce que cette fois-ci, les gens vont faire le choix qui leur correspond. Un choix judicieux est très important ici. Voilà les amis, tout simplement, on continue. Hein. Alors le palais, bien évidemment, le palais, je dirais le résident, voilà, Micmac, va essayer bien évidemment de faire une publicité, mais ça ne va pas fonctionner. Tout simplement parce que les gens ne veulent plus. Et ils vont faire une crise bancaire, boursière. Ça va être une faillite totale. Hein. Voilà, on ne va pas les pleurer, bien évidemment. Ah, par contre, ils vont essayer de nous passer la patate chaude pour septembre, octobre, novembre. On le sait. Je ne suis pas la première à vous avertir. Je m'en doute. Hein. Mais en tout cas, je n'ai pas arrêté de le dire depuis 3-4 mois que le mois de septembre, ça va être important et on aura toujours le choix. De toute façon, il y aura toujours des parents qui vont prendre la décision de pic-pic leurs enfants, mais la majorité, ça sera non, les amis. Hein. Et bien évidemment, ça ne sera pas obligatoire. Hein. Alors ici, on a la table de 13, vous savez, ce gouffre dans l'ombre, ce gouffre plutôt. C'est une table de 13, ils sont dans le monde. Ils ont mis en place ces choses-là. Vont-ils réussir? On va voir ensemble. On va compléter par rapport à cette pic-pic obligatoire. Alors, comme je vous ai dit, non, ils ne pourront pas le mettre obligatoire parce qu'ils sont obligés de respecter notre libre arbitre, notre choix et nos décisions. Alors, la table des 13, là, les méchants, là, vont-ils réussir leur plan mortifère? Voyons voir ensemble, les amis. Qu'est-ce que les cartes nous disent? Vont-ils réussir leur plan mortifère? Hein, la table des 13, c'est les gens là qui sont tout en haut de cette élite.
Mon Dieu, que non, ils n'y arriveront pas, les amis. Restons positifs, ne tombons pas dans la panique, dans les peurs, dans les angoisses. C'est tellement facile, les amis, d'avoir peur et de déclencher toutes ces alertes, hein. Alors, ici, on a la protection, la guérison, la victoire et la joie. Ici, on a les chamans qui sont là pour nous protéger. Partout dans le monde, ils sont situés. Il peut y avoir en France, en Europe, aux États-Unis, en Inde, partout dans le monde. Il y a énormément de chamans actuellement qui essayent de purifier voilà, toutes ces énergies dark. Alors, si la table des 13 vont-ils réussir à nous faire du mal? Non, parce qu'on est protégé. Par contre, malheureusement, je vois beaucoup de décès au niveau des militaires. Ici, les militaires qui tombent pour leur patrie. Quand même, ça, c'est important à signaler. Beaucoup de militaires qui vont malheureusement partir de l'autre côté, dans le monde invisible, parce qu'ils ont voulu protéger les populations ici, hein. C'est quelque chose au niveau de l'atmosphère. Les choses commencent à se régler, les amis. On est en train de voir clairement les choses, hein. Tout va s'apaiser, ça va se clarifier. Les masques vont tomber. Beaucoup de personnages néfastes ou vont décéder, ou vont se licencier, ou ils vont démissionner. Ils ne feront plus partie de ce nouveau monde qu'on est tous ensemble, hein. Alors, des révélations très importantes qui vont arriver du côté du résident. C'est là actuellement au niveau des énergies, au niveau de l'atmosphère. Et il a perdu beaucoup de militaires ici, hein. Voilà, les cartes, elles ont parlé. Alors, la richesse, pourquoi ils essayent de remettre les pic-pics en place? C'est parce que ça ramène énormément d'abondance et d'argent, de finances. Ils gagnent énormément d'argent sur le dos de nos enfants, de vos enfants, de vos petits-enfants. Je le sais, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que ça vous inquiète. Vous voulez savoir si au niveau des rentrées scolaires pour les enfants, vont-elles mettre les obligations, hein, tous les pic-pic obligatoires. Pour moi, c'est non, mais on a toujours un choix, n'oubliez pas, hein. Et les autres, ils se mettent plein les poches. Tout ça va être récupéré. Tout cet argent qu'ils ont, hein, la table des 13, les méchants, là, tout va être récupéré. Ça nous parle qu'actuellement, on est en pleine tempête, les amis, n'oublions pas. Ils vont tout essayer de nous faire, hein. Les peurs, les angoisses, les révélations, les masques qui tombent au niveau des météos, au niveau du climat. Cette année, tout va être étalé. Si vous voulez, toutes les révélations qu'ils auraient pu venir au courant de 2025, 2026, 2027, il y a une accélération très importante. Et ça, il faut le prendre en compte, hein. 2024, c'était l'année la plus importante. Le reste, ça va être vraiment, je dis pas agréable, mais ça va être dans l'équilibre. Les choses vont s'arranger. Et oui, aussi agréable aussi, les amis, c'est important. Conclusion, on va voir avec la conclusion. En lien avec les pic-pic, tous ces obligations qu'ils adorent, ils adorent de mettre en place, vont-ils être punis? Les méchants! Alors, l'Inde va faire des témoignages très importants aussi. Vous le savez très bien que l'Inde a subi dans sa chair, sur ses enfants, sur les adultes, les grands, hein, les personnes âgées, tout le monde en Inde, ils ont subi avec les histoires de pic-pic. Moi, je vois qu'on a la protection, les amis. Pas de panique. Ne vous inquiétez pas. Soyez éveillés. Comprenez les choses, certes, mais ne tombons pas dans leur piège, hein. Et vous avez ce choix, un choix judicieux. Vous devez toujours le prendre. Ils sont obligés de vous le demander. Votre consentement est de l'or pour eux, de l'or. L'Inde va s'exprimer, va faire des, comment on appelle ça au niveau juridique ici, hein. Ils vont entamer des procédures juridiques. Les serpents là, qu'ils essayent de nous casser la tête, là, vulgairement, vont être vendus, vont vendre toute leur entreprise. Une faillite totale, les amis. Dans les 24-48 heures, on va savoir un petit peu plus d'informations. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a eu beaucoup de décès, malheureusement, et ils sont là pour nous guider. Voilà, les amis, gardez confiance et vous avez toujours le libre arbitre. Utilisez-le. Je vous aime,
Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.